since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, je vais vous présenter un objet que j'ai trouvé sur la boutique Banggood. C'est une sirène d'alarme qui fait veilleuse, qui fait passerelle, donc passerelle Wi-Fi, qui fait 433 MHz, donc on pourra utiliser des télécommandes 433 MHz, des capteurs 433 MHz. Elle est connectée directement à votre Wi-Fi, donc connexion facile. Et elle fonctionne aussi, on va le voir, avec Amazon Alexa. Aussi Google, on verra ça aussi si c'est fonctionnel ou pas. Amazon Alexa, bon, en général, ça fonctionne. Avec Google, en général, c'est un peu moins. Bon, on va voir aussi si ça fonctionne avec Alexa. Hein. Donc, je connais pas le produit, c'est tout nouveau pour moi. Il est encore sous scellé, hein, j'ai pas encore ouvert. Comme d'habitude, je vous fais toujours une petite découverte, déballage. Et moi, je teste l'objet pour apprendre à m'en servir. Et après, je vous fais mon retour, hein, comme d'habitude. Allez, on va ouvrir ça. Ils ont mis du scotch. Sur le côté, il n'y a rien. Donc, on peut l'ouvrir facilement. Et là, on a le petit produit. Donc, le manuel. Est-ce qu'il y a du français? Non, c'est full anglais. Donc moi, je vais l'étudier un petit peu. Voilà, je mets de côté. On a des petits vis. Je sais pas à quoi ça sert. C'est bien, ils ont mis l'adaptateur secteur. Est-ce que c'est prise européenne? On va vérifier ça tout de suite. Ça m'a l'air que oui, mais j'ai un souci avec ce genre d'adaptateur. Ouais, bon ouais. Donc c'est comme si qu'ils mettaient rien en fait à l'intérieur. C'est pas fait pour nos prises à nous, hein. Donc ça sert à rien. Ils l'ont mis, c'est du commun. Du 5 volts 1 ampère. Donc moi j'en ai des adaptateurs, donc ça me dérange pas. Il est un peu léger. Ouais, ça aspire pas confiance. Mais de toute façon, sans adaptateur, celui-là, ça risque pas de rentrer dans votre prise. Hein, parce que la prise terre va gêner et il faudra vraiment forcer et limite casser sa prise pour que ça rentre. Ils nous mettent un câble, donc c'est du micro USB. Donc ça c'est bien, du micro USB, mais le câble est un peu court. Donc ça veut dire que si le câble est court, qu'on pourra vraiment recharger, j'espère, hein, on pourra vraiment recharger la passerelle et la déplacer où on le souhaite, et la coller où on le veut, ou la fixer. Donc c'est un gros bloc de mousse. Yeah. Okay. Allez, procédons à la connexion. Il faut être sur votre téléphone, n'oubliez pas, en 2,4 GHz, hein, en Wi-Fi 2,4 GHz. De toute façon, l'application vous le dira si vous n'êtes pas en Wi-Fi 2,4 GHz. Elle va vous demander de changer de Wi-Fi. Donc, on clique sur l'application Tuya. Voilà, ça démarre. Il manque un peu de mémoire dans mon téléphone, hein, c'est pour ça que c'est, il sera un peu plus lent. Donc c'est la faute de mon téléphone, hein, pas de l'application. Donc on va l'allumer. On a la veilleuse qui s'est mise. Et on a eu quoi? Ça clignote. Ok, donc je peux appuyer sur le plus. On va faire recherche automatique. Si ça ne marche pas en recherche automatique, on va faire en manuel. Voilà, passerelle RF 9287, donc 92-87. Bah, ok, on fait suivant. Donc comme d'habitude, je vais la mettre sur mon bureau. On va changer le nom peut-être. Ou non, je vais laisser ce nom-là, annuler, et on va mettre dans mon bureau. Donc le lieu est important. Et là, on a entendu Alexa. J'ai entendu Alexa, j'ai pas fait attention au départ, mais j'ai bien entendu Alexa qui a dit un appareil a été ajouté. Donc j'ai entendu Alexa.
Donc, ce qu'il y a de bien avec Alexa et les skills, c'est que la connexion se fait tout seul, alors qu'avec Google, il faudra demander de rajouter. Allez, regardons un peu les différents paramètres de l'application sur la sirène d'alarme ici qui fait veilleuse, je vous le rappelle. Allez, on clique sur l'application Tuya. Une fois qu'on a connecté, bien sûr, la sirène, je vous ai montré au début la sirène sur l'application Tuya. On va regarder les paramètres. Donc là, on a directement sur le système d'alarme. Donc là, il est mis en mode désarmé, on le voit en grand. Si on le met en mode armé, donc il y a un délai qui est mis en place. Donc pour l'armement, donc moi j'ai mis 40 secondes. Donc on va voir. Donc là vous avez vu, il y a le mode SOS. Donc si vous voulez que ça sonne tout de suite. On désarme. Donc le son est super puissant. Donc on est à plus de 100 décibels. Donc vraiment ça fait effet. Donc la sirène qu'ils ont mis dedans, elle fait effet. Donc armée, armement à domicile. Donc ça c'est pour sélectionner un ou deux capteurs qui fera sonner quand vous êtes à la maison en fait. Armée, ça c'est quand vous n'êtes pas chez vous. Désarmée, c'est que l'alarme elle est désarmée. Et mode SOS, et si vous voulez, vous êtes en danger, etc. Vous voulez prévenir votre famille, etc. Vous appliquez le mode SOS. C'est plus pratique, bien sûr, quand on a une télécommande, les petites télécommandes. Donc les petites télécommandes ici en 433 MHz. Il y a toute forme, hein, toute forme. Donc tant que c'est du 433 MHz, ce sera compatible avec ici, avec cette sirène-là. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez vu, elle est totalement sans fil, connectée en Wi-Fi, avec batterie rechargeable. On peut, avec le mode 7 ici, c'est pour rajouter des accessoires via l'application, bien sûr. Donc si je clique sur le installer, donc là on a le mode retard. Donc là j'ai mis 40 secondes. Je ne l'ai pas mis officiellement 40 secondes. Quand vous allez recevoir, il est mis à 0. Donc quand j'ai créé un scénario, le mode 40 secondes, c'est pour aller avec l'alarme d'Igoo. Donc comme ça, les deux s'enclenchent en même temps. Quand j'appuie, j'ai créé un scénario. Quand j'appuie sur le bouton armé, l'alarme, elle se met aussi, elle s'active au bout de 40 secondes. Donc ici, on sait que l'armement va se faire puisqu'il y a un bip assez fort qui fait bip, bip. Bip pendant 40 secondes jusque en mode armé. Là, on peut régler un timing. Donc, c'est ici qu'il faut cliquer. Ok, donc on peut programmer un horaire. En fait, la traduction n'est pas folle folle, hein, elle n'est pas terrible. Donc, on peut rajouter un horaire pour dire voilà, on enclenche l'alarme de telle heure à telle heure, par exemple. Donc, si on n'a pas acheté les accessoires, on peut l'utiliser. On peut l'utiliser sans accessoires, mais non, c'est pas conseillé. Il faut au moins un capteur de porte, un détecteur de mouvement, donc qui sera en 433 MHz. Je vous rappelle, à connecter dessus. Donc, des accessoires à 433 MHz. Vous pouvez avoir des accessoires aussi Zigbee ou en Wi-Fi direct. Avec cette passerelle hein, qui sera directement sur l'application Tuya. Moi j'ai des capteurs Zigbee et en Wi-Fi direct. Le Zigbee c'est préférable, hein, mais il faudra encore une passerelle supplémentaire. Donc cette sirène d'alarme fait, je vous le rappelle, que passerelle 433 MHz. Donc elle est en Wi-Fi direct et fait passerelle 433 MHz. Elle fait pas du Zigbee ni rien. Bruit de l'alarme. Donc on a dit alarmes différentes, non, 8 alarmes différentes plutôt. Je serais pas vous faire écouter le bruit de chaque alarme, mais c'est des alarmes classiques. Hein. Volume d'alarme, donc là il est mis à 100%, c'est bien. On peut régler le volume, donc en 25, 50 ou 100%. Donc, moi il est mis à 100% ici. Vous mettez ce que vous voulez.
Rappel d'armement à distance, donc si vous voulez recevoir une notification comme quoi vous avez déclenché l'alarme ou vous l'avez désarmé. Donc comme ça, s'il y a quelqu'un qui désarme l'alarme, vous recevez une notification comme quoi quelqu'un a désarmé l'alarme, ça c'est bien, ou si quelqu'un l'a armé ou pas. Comme ça, si vous savez que la dernière personne a oublié de enclencher votre sirène d'alarme, vous le savez. Rappel sonore de l'alarme du capteur. En tout cas, ça va envoyer une notification sonore comme quoi l'alarme, le capteur sonne en fait. Je sais pas. J'ai pas vu vraiment de différence activée ou désactivée. Donc là, ça ici, on verra les accessoires que vous avez connectés sur la passerelle. Si je cloche ici, donc on a les informations. Sur l'appareil, on peut changer le nom et le lieu. Voilà. Scénario automatisation s'enverra aussi après. Notification hors ligne, hein, ça c'est bien. Si la sirène est hors ligne, hein, elle n'est plus connectée à votre réseau, vous allez recevoir une notification. Donc s'il y a une panne d'électricité ou quoi, et vous n'avez pas d'onduleur, etc., pour garder la connexion active. Tous vos appareils domotiques sans électricité ne fonctionnent pas, surtout s'ils ne sont pas connectés au réseau. Un onduleur va permettre de garder sa connexion Wi-Fi et quelques appareils, ça dépend le type d'onduleur que vous avez, actif, donc alimenté en énergie. Appareil partagé, créer un groupe. Pop, pop, pop. Donc ajouter à l'écran d'accueil hein, si vous avez un raccourci, comme d'habitude, vérifier s'il y a une mise à jour. Non, ça c'est vérifier si le réseau est bon pour l'appareil. Et mise à jour. Donc moi j'ai la version V3.1.1, modèle MCU, donc du logiciel V1.3.3. Du firmware, hein, pas du logiciel. Dans Records, donc c'est les enregistrements, donc c'est les logs en fait. Hein. Donc ce qui s'est passé, ce que j'ai fait, donc j'ai armé, désarmé, etc. Ils nous le disent. Donc j'ai enclenché le mode SOS et tout, j'ai fait plein de tests. Donc pour vous montrer, voilà, on a les scénarios. Donc on revient ici, on va regarder. Donc ici vous avez vu un veilleuse, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré. Hop, on a veilleuse. On va regarder au niveau des automatisations des scénarios. Voilà ici que j'ai créé pour cette sirène d'alarme. Donc là, j'ai créé une scène pour vous montrer. Donc avec le capteur de porte. Ah ben voilà, vous avez vu. Donc j'ouvre la porte. On peut allumer la veilleuse. La lumière est indépendante de la sirène. Donc ça, c'est bien. On peut faire des alertes. Donc non sonore, hein, des alertes silencieuses, lumineuses. Donc on ouvre la porte et on peut dire que donc allumer la veilleuse pendant ici moi j'ai mis 3 secondes et elle s'éteint. Voilà, comme ça vous avez vu. Armée sirène. Donc là c'était donc avec la base de chez Digoo. J'ai créé une scène qui arme en même temps. Donc vous l'avez vu, j'appuie sur armer. Et donc la sirène ici va s'enclencher en même temps, va se mettre en mode armement comme la base de chez Digoo. Donc ça, c'est pas obligé de vous ayez les deux accessoires. Hein. C'est vraiment, ils sont autonomes. Hein. Ça, c'est une sirène qui fait. C'est vraiment un système d'alarme au complet avec les accessoires. On n'est pas obligé d'acheter autre chose. Hein. C'est vraiment un système d'alarme comme chez Xiaomi. Elle est vraiment autonome. Une petite scène que j'ai désactivée. Voilà. Donc on peut faire plusieurs choses. On va aller dans automatisation et on va voir un petit peu. On va voir un petit peu les automatisations et ce qu'on peut voir, ce qu'on peut faire avec la base. Donc on va mettre lorsque le statut change,
la sirène dingo. Et là, on a le mode switch, donc c'est l'interrupteur en fait de la veilleuse, donc on peut activer, désactiver. Au niveau de l'alarme, on a le mode SOS et désarmer. Alarme de retard, donc là c'est pour régler dans ces scènes l'enclenchement de l'alarme hein, après 10 secondes, 20 secondes, etc. Armement retardé, c'est pour si on active le mode armé, bon, on peut avec une scène, par exemple le capteur de porte, ben on ouvre sa porte, on peut dire d'activer, donc sa porte d'entrée par exemple, d'activer l'alarme après 30 secondes, on va dire, ou 40 secondes, après qu'on a fermé sa porte par exemple. Durée de l'alarme. Donc on peut choisir la durée de l'alarme entre 1 minute et 60 minutes, donc ça c'est bien, on peut faire sonner l'alarme, donc ça dépend les scènes que vous créez, hein, je vous le rappelle. Le volume, bah, le volume, on peut régler le volume, donc selon un pourcentage, 25, 50 ou 100%, donc de volume. Le bruit de l'alarme, donc là on pourra choisir, donc bruit de l'alarme, et là on a 8 sonneries différentes. Donc là, armé, désarmé, armement à domicile, donc on crée une scène selon le statut de l'appareil. On va regarder maintenant les différentes fonctions, ce qu'on peut faire avec Alexa et Google, hein, les assistants vocaux. Donc commençons par Alexa. Active sirène dingo. Active sirène dingo. L'appareil sirène Dingo est armé en mode résidence. Donc maintenant, on va demander de désactiver. Et là, vous allez voir, il y a une spécificité. Donc tout le monde ne pourra pas désactiver. Il faudra créer un code secret. Je vais vous montrer. Désactive alarme dingo. Désactive sirène dingo. Veuillez désarmer votre système de sécurité manuellement. Pour activer la fonctionnalité désarmer par commande vocale, ouvrez l'application Alexa, rendez-vous sur appareil et modifiez les paramètres de votre système de sécurité. Voilà, et donc là, il faudra aller dans vos appareils, trouver votre sirène dingo. Donc moi, je vais dans tous les appareils, aller dans sirène dingo. Donc moi, je l'ai appelé sirène dingo, hein. Vous avez donné le nom, ce que vous voulez, à votre sirène. Donc ici, et là, il faudra, pour désarmer, il faudra cocher ici, créer un code à 4 chiffres. Voilà, c'est tout simple. Maintenant, on va regarder avec Google. Avec Google, c'est un peu spécial aussi. Donc, je vais vous montrer que déjà quelque chose avec Alexa. Vous allez voir, c'est que ça fonctionne pas. Allume, lumière, sirène dingo. L'appareil sirène Dingo est armé en mode résidence. Donc voilà, ça va que armer. Donc ça va utiliser la fonction alarme de la sirène. Donc alors que je vous ai dit aussi qu'elle fait veilleuse. Bon, maintenant on va regarder sur Google. Donc avec Google. Donc vous avez vu, la sirène Dingo est là, il faut la rajouter. Pour la rajouter à votre compte Google, hein, il faut que bien sûr vous rajoutez l'application Tuya à votre compte Google. Et une fois que c'est rajouté, bah, vous synchronisez tous mes appareils. Sinon, si vous venez de le rajouter à l'application, vous avez déjà connecté tous vos appareils de chez Tuya, bah, pas besoin de synchroniser, hein. Donc les appareils vont se rajouter automatiquement. C'est simplement quand vous rajoutez des nouveaux éléments à votre compte Tuya, avec Google, il faudra synchroniser. Avec Alexa, comme le Skills est toujours actif, ça va automatiquement le rajouter sur votre compte Alexa automatiquement sans que vous le demandez. Maintenant, on va demander, allez, ce qu'on à Google. Active sirène dingo. Active sirène dingo.
sirène dingo. Et voilà, et donc, ce que fait Google, c'est allumer la veilleuse. Désactive, sirène dingo. Très bien, j'éteins sirène dingo. Voilà, donc vous avez vu que ça allume et éteint la lumière. Ça ne va pas activer activer l'alarme. Maintenant, je vais vous montrer hein, que ça, c'est pas ce que je dis qui cause, hein, qui cause le tort en fait à ça. Je vais vous montrer. Armée, sirène dingo. Voici quelques images qui correspondent. Armée, sirène dingo. Affichage des images qui correspondent. Bon, s'il comprend harnais, c'est normal. Harnais, sirène dingo. Selon Wikipédia, l'armement standard du dingo est une tourelle de mitrailleuse. Harnais, sirène dingo. Regardez ces photos. Bon, vous avez vu, c'est déjà pour se faire comprendre, c'est pas évident. Activer sirène alarme dingo. Voici quelques résultats du web. Bon. Activer sirène d'alarme dingo. Voici ce que j'ai trouvé. Donc vous avez vu, c'est pas fonctionnel du tout et déjà pour que Google nous comprenne, parfois c'est pas évident. Donc là, je suis tout près du micro, il devrait quand même m'entendre puisque Alexa me comprend correctement. Donc je vois pas pourquoi Google ne me comprendrait pas avec le même appareil. Donc c'est un défaut de Google. Bon, au moins, vous avez vu, active veilleuse sirène dingo. Voici quelques résultats du web. Voilà, donc vous avez vu, si je dis veilleux, ça marche pas. Active sirène dingo. Ok, j'allume sirène dingo. Désactive sirène dingo. Très bien, j'arrête sirène dingo. Allume sirène dingo. Très bien, j'allume sirène dingo. Donc on peut dire allumer sirène, je peux dire éteindre. Éteindre sirène dingo. Très bien, j'éteins sirène dingo. Voilà, donc d'un côté, chez Alexa, on pourra activer donc l'alarme, donc armée et désarmée. D'un autre côté, on peut allumer et éteindre la veilleuse, la lampe, chez Google. Donc c'est un peu spécial, mais c'est comme ça, les fonctions ne sont pas encore totalement intégrées. Mais bon, quand on possède les deux, faudra se souvenir que là on peut allumer la lumière et l'autre on peut activer et désactiver l'alarme. Bon, voilà, comme ça je vous ai un peu montré ce qu'on peut faire avec cette sirène qui fait veilleuse au niveau des assistants vocaux, bien sûr. Allez, passons à ma conclusion après plusieurs semaines de tests. Cette sirène d'alarme, bah, sur le papier comme ça, tout est beau. Hein, vous voyez, elle est sans fil et tout. Elle est fonctionnelle ici. Malheureusement, la batterie, bah, c'est comme tout sirène d'alarme. Hein, elle s'use très vite. Donc, il faut la recharger tous les jours. Sinon, il faudra l'utiliser sur secteur. Malheureusement, pas le choix. Il faudra l'utiliser sur le secteur. Ce qu'il y a aussi comme défaut, c'est que on ne sait pas quand elle recharge, hein. Par exemple, je vais l'éteindre. Il n'y a aucune indication de charge, donc on ne sait pas quand elle recharge et tout. Ça, c'est embêtant. À mon avis, hein, c'est 100% sûr, la sirène n'est pas faite pour être autonome, en fait. Hein. Elle est juste faite pour être branchée sur secteur et la batterie, elle sert de secours en cas de panne d'électricité. Donc c'est comme les autres sirènes d'alarme, bah, c'est comme ça, il faut qu'elles soient sur secteur, alimentées constamment. Et il y a une batterie de secours qui permet de tenir quand même pas mal d'heures. J'ai dit une journée, mais je dirais plutôt entre 8h et 10h.
Après, ben, ne comptez plus, hein, c'est une alarme Wi-Fi quand même, ça consomme. Avec fréquence 433 MHz, ça consomme rien du tout si on n'utilise pas par onde radio. Hein. Même sur l'application, c'est ça qui est. On n'a pas. On voit pas le taux de la batterie. Donc, ils n'ont pas prévu dans l'application le niveau de la batterie. Donc, ça, je trouve ça dommage. On peut pas vérifier si la batterie est chargée ou non. Bon, quand c'est constamment branché, ça va. Donc ça, il n'y a aucun souci. Mais si on veut la déplacer et tout, qu'elle soit dans un endroit discret sans que ce soit alimenté, bah, on peut le faire, mais il faudra vraiment la charger tous les jours. Bien sûr, on peut utiliser un power bank si on le souhaite. Comme ça, on peut facilement. On peut la placer où on veut, mais bon, c'est des coûts supplémentaires et power bank, il faut aussi envisager à le charger. Donc ça, c'est les petites choses que j'ai vues. Donc la veilleuse et tout, donc ça c'est super sympa, ça fonctionne assez bien si bien sûr, si bien sûr je l'allume. Voilà, donc ça se connecte très très vite au réseau, hein. Donc la centrale, il y a pas de la passerelle. Plutôt, elle se connecte très très vite au réseau. Il faut attendre un petit peu quand la lumière rouge va s'allumer, ça veut dire qu'elle est connectée au réseau. Après, la sirène, elle est très très forte. Donc c'est une solution simple. Donc ça c'est bien parce que c'est une solution d'alarme qui peut être complète si on ajoute des accessoires, des capteurs qui coûtent pas très cher en fréquence radio. Donc les capteurs de porte, les capteurs. Donc de mouvement, les détecteurs de mouvement et d'autres accessoires. Hein. Il y a des détecteurs d'inondation, des détecteurs de fumée en fréquence radio. Donc il y a tout le kit d'accessoires possible. Malheureusement, quand c'est en fréquence radio, bah, il n'y a pas de domotique possible. Donc un détecteur, un capteur de porte par exemple, si vous voulez ouvrir la porte et dire au détecteur, donc le capteur de porte, d'allumer une lampe, par exemple, qui est Wi-Fi ou dans votre domotique, vous savez pas le faire, puisque la fréquence radio n'est pas compatible avec les autres fréquences. Même s'il y a une passerelle. Donc, il faudrait une passerelle plus adaptée. Je sais que chez Sonoff, ils ont fait une passerelle en fréquence radio qui peut communiquer avec leur passerelle, qui peut communiquer avec les éléments Zigbee. J'ai pas testé, mais en théorie, ça a l'air de fonctionner. J'ai pas vu non plus j'ai pas cherché non plus pour voir si c'était fonctionnel ou pas. J'ai pas vu de vidéo non plus. Donc faudrait que j'investisse aussi pour voir chez Sonoff si c'est possible de compléter les fréquences radio avec des éléments Zigbee ou Wi-Fi, les ampoules, etc. Donc ça, c'est à voir. Maintenant que vous savez tout sur cette sirène d'alarme, hein, c'est une belle découverte quand même, hein, avec comme je vous ai dit, la veilleuse et tout, qu'on peut programmer, donc on peut créer des scènes et tout avec la veilleuse, créer des scènes avec l'alarme, compléter avec les autres accessoires Zigbee, comme moi, hein, je vous ai montré avec la passerelle de chez Digoo. Donc ça c'est bien. Donc ça c'est bien. C'est une bonne alternative comme sirène si on veut une sirène. Mais avec si vous avez d'autres possibilités en sirène. Donc si vous achetez la sirène pour compléter avec par exemple l'alarme comme moi Digoo, c'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne solution. Donc ça c'est vraiment si vous voulez une alarme une alarme qui vous coûterait pas cher, puisque je vous rappelle, c'est entre 19 et 20 € cette petite sirène d'alarme qui fait Wi-Fi et qui fait passerelle fréquence radio. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous avez des questions sur cette sirène d'alarme, n'hésitez pas à me contacter. Je sais que je dis pas toujours tout parce que vous avez parfois des questions qui ne me viennent pas à l'esprit dans mon usage personnel, au fait, hein. Moi je vous parle de mon usage à chaque fois personnel. J'ai pas toujours votre usage, donc chacun a son usage et il va poser la question selon son usage et ce qu'il voudrait faire. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions, hein. Je vous réponds toujours le plus vite possible, toujours, hein, dans l'heure ou dans la journée, il n'y a pas de problème.
N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur cette passerelle que j'ai peut-être oublié de dire. Donc allez, visitez mon blog aussi, hein, Dago d'Orwen Tech. N'hésitez pas à le visiter, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me contacter, ça me fait plaisir aussi. Donc moi, je remercie comme d'habitude les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner. C'est très gentil à vous. Un grand merci à vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Dago d'Orwen.